Bonjour, bienvenue chez Aventure Camping Car à Limoges. On est dans le fourgon, on a fait une présentation tout à l'heure, on en fait une autre. Donc celle-ci, même chose, c'est un fourgon 5,99 m de long, toujours McLui, et c'est une série limitée, donc 2021, c'est une série limitée, on l'appelle le Matic. Donc le Matic parce que c'est une boîte automatique, ils ont sorti une série en boîte automatique, c'est très bien, à un prix vraiment abordable. On est monté sur la nouvelle boîte avec des roues, celui-ci, jante aluminium, avec des roues de 16. On a toujours nos occultants niveau cabine, un multimédia et la boîte 9, double embrayage. On voit l'aspect ici donc du frigo qui est en haut parce qu'on n'a pas le même frigo que le modèle de tout à l'heure. Celui-là, c'est le Matic, voilà, le S-Line 3. En série Matic. Le remplissage d'eau. Et on va retrouver notre soute avec notre lit. Voilà. On est dans les mêmes coloris pour l'année dans cette série-là. Pour l'année 2021, on est toujours dans le même coloris. On remarquera que là, les placards sont à la même hauteur et une implantation de frigo un peu différente. Voilà. On a vraiment une immense soute sur ce type de fourgon. Qui est vraiment intéressante. On peut aussi, si on veut, fermer ici, de manière à faire deux étages. Ça, c'est possible. On peut bien sûr mettre un attelage. On peut aussi mettre un porte-vélo, si on veut. Il est intégré, il a la caméra aussi. Donc on peut après rajouter les petites choses. On est aussi sur un chauffage diesel et on a la cassette sortie cassette. Là, on remarquera les jantes qui l'habillent bien parce que blanc et noir, ça lui donne vraiment un très beau cachet. Venez, on va aller le visiter. Entrez dans mon fourgon. Donc là, comme dans les précédents McLui, on va retrouver le rail de fixation de la table extérieure. Une tablette pour agrandir le plan. Et on est toujours dans le même coloris. Le même design, l'éclairage on le voit tout en LED, hein, est vraiment agréable. Aujourd'hui le temps est couvert et on a malgré tout un peu luminosité, mais quand même pas autant. Donc là on a une table sur ce modèle là, toujours disponible, hein, en vente libre. Sur ce modèle là on a une table qui se plie, qui permet d'avoir un peu d'aisance. Si vous demain vous avez un siège enfant par exemple à attacher, ça permet de basculer sans enlever la table. Ça c'est bien. On remarquera. Le levier de vitesse, le tout dernier, un modèle boîte 9 avec cette série-là, les commandes au volant pour le multimédia, la climatisation et l'ASR aussi dessus. Cette nouvelle boîte donne un vrai confort de conduite. Alors, par rapport à ce qu'on peut penser, on consomme pas plus avec une boîte automatique. On est maintenant, les boîtes automatiques consomment exactement la même chose que la boîte manuelle. Donc on n'est pas sur une consommation excessive quelconque. Et là on retrouve le même espace que dans le modèle de tout à l'heure. Où effectivement, vous voyez, on est quasiment debout et on peut accéder à la cabine sans se taper la tête ou sans être courbé complètement. Ça c'est vraiment quelque chose qui va donner toujours ce volume. Un grand lanterneau. Cette finition très agréable chez McLui. Avec du rangement du placard. On va retrouver la configuration de tout à l'heure. Voilà. Ce qui va faire l'aspect différent de ce véhicule, c'est qu'ici on n'a pas une porte coulissante, on a une porte pleine et qu'on est sur une boîte automatique. Le frigo, lui, n'est pas du même concept. On est sur un frigo en éclairage bleu, mais un petit peu plus petit, vu qu'en dessous, on a privilégié un espace, un grand espace penderie, qu'on n'a pas dans l'autre modèle. Là, ici, toujours un rangement supérieur. Et là, j'ai une porte avec une configuration différente de la douche. Vous voyez, où là j'ai mon évier qui lui est fixe côté toilette. Et j'ai toujours les toilettes qui pivotent avec une grande douche aussi parce qu'on part en même temps aussi de biais. On a une immense douche. Vous voyez, l'aménagement est un petit peu différent sur la salle de bain, sur la partie salle de bain, sur ce modèle-là. C'est-à-dire ce modèle est peut-être plus agréable. Imaginons, vous avez des enfants. Et comme on n'a pas besoin de rideau, il n'y a qu'ici qu'on peut mettre un petit rideau, on a des enfants, c'est plus facile peut-être à faire la toilette des enfants que sur le modèle précédent qu'on a vu tout à l'heure.
Et là, on va retrouver, je vais laisser passer notre caméraman, on va retrouver le lit sursaute. Vous voyez, avec les placards de chaque côté, les fenêtres au fond avec occultant et moustiquaire. Pour avoir encore utilisé un fourgon ce week-end, c'est vraiment, vraiment bien. On a une configuration qui est vraiment intéressante et qui permet d'avoir un grand lit tout en étant dans un véhicule étroit de 6,99 m. Alors ça, c'est un véhicule boîte auto avec les options différentes que nous, on a rajouté aussi dessus, qui est à 48 750 €. Disponible de suite. C'est inférieur à 49 000 € pour un véhicule boîte auto de cette longueur là et de cette catégorie là. C'est vraiment imbattable en tarif. Donc si vous avez des questions et besoin de savoir d'autres choses, n'hésitez pas. Toujours à Limoges, Aventure Camping Car, au 05 55 69 44 96, le mail acc87@orange.fr. Je vous dis à bientôt pour d'autres visites. Nous allons bientôt recevoir d'autres marques et de nouvelles marques, et on va vous faire les vidéos dès qu'on a les marques pour vous présenter les véhicules qui sont bien sûr sur le parc. Chez nous, c'est abrité. S'il pleut, vous êtes à l'abri. S'il fait du soleil, vous êtes aussi à l'abri. Et vous avez les conseils d'utilisateurs, parce qu'on utilise, enfin, personnellement, j'utilise aussi quasiment pas tous les véhicules, mais beaucoup de véhicules qui entrent, et ça, c'est aussi important. On peut donner des avis et on peut donner des idées intéressantes. On n'est pas que là que pour faire la signature du bon de commande. Bien sûr, on vous proposera des financements, des extensions de garantie jusqu'à véhicule neuf, on peut aller jusqu'à 180 mois. Et ça, c'est pas inintéressant, et des conditions aussi relativement intéressantes. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse regarder avec aujourd'hui, c'était Elisabeth. Demain, on verra. Mais je vous dis à bientôt. Au revoir.